commencer par ces points and I wanted to start que je vais intituler point that I will name. Pourquoi Jésus n'a pas baptisé. Why did Jesus not baptize? Que Dieu soit béni. May the Lord be blessed. Nous allons prendre la parole de Dieu. And we will take God's word. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Let's take Matthew 3, 11. Lisons le nom de Jésus. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean chapitre 4, le verset 1 à 2. Then we'll take John 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alléluia. Alléluia. Je voulais commencer par ces points and I wanted to start que je vais intituler point that I will name. Pourquoi Jésus n'a pas baptisé. Why did Jesus not baptize? Nous sommes en train de parler du baptême d'eau. We're speaking about the water baptism. Et nous le savons très bien selon notre nomenclature concernant cet enseignement. And we know it very well according to the nomenclature of On avait dit que le Christ dans Matthieu chapitre 28 au verset 19. We said in Matthew 28:19 that Christ est en train de parler de trois sortes de baptêmes. We're speaking about three kinds of baptisms. Le baptême du Père, the baptism of du the Father, Fils, of the Son, et du Saint-Esprit. And of the Holy Spirit. Et nous voyons l'écrivain du livre des Hébreux, que j'estime que c'est Paul. And the writer of the book of Hebrews, who I believe was Paul, nous parle aussi, also speaks, parlant de fondamentaux, covering the fundamentals, je dirais mieux de quelques fondamentaux, or a few of them. Il met l'accent sur la doctrine des baptêmes. He put the emphasis on the doctrine of baptism. C'est ce qui a fait l'objet de notre enseignement. That was now the core of our topic. L'objet de notre thématique. The core of our theme. Et on avait expliqué que le baptême, il y en a plusieurs. And we did say that there are many baptisms. Entrant dans la profondeur de la parole de Dieu selon l'aide de l'Esprit. And with the help of the Spirit as we dig deep in the word. J'ai essayé de pouvoir répartir les choses selon la pensée que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur. And I try to classify things according to the thought laid on my heart by the Holy Spirit. 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 4. 1 Corinthians 2 verse 4. La Bible déclare ma pensée. The Bible declares ou ma my parole thought, my et ma prédication and my sermon. Ne se reposait pas. Did not rely on par des discours persuasifs persuasive speeches de la sagesse humaine of human wisdom, mais par la démonstration de l'Esprit but on the demonstration of the spirit et des puissances. And of power. Je tenterai d'expliquer que and I explained that la pensée de l'enseignement ou de la prédication the thought of the preaching se repose sur ce que l'Esprit démontre relies on what is demonstrated sur ce que by l'Esprit the Spirit, enseigne. On what the Spirit Pourquoi teaches. Parce qu'on avait dit que le rôle du Saint-Esprit Because we said that the role of the Holy Spirit, selon Jean au chapitre 14, le verset 26, according to John 14, 26 Jésus avait dit à ses disciples lorsque le Paracletos, le Consolateur viendra Jesus said that when the Paracletos, the Comforter will come, premièrement, il vous enseignera toutes choses. First of all, he will teach you all et deuxièmement, things. Il vous rappellera. Secondly, he will remind Alors, you. Il est nécessaire de comprendre ceci. So it's necessary to understand il y a pas mal de choses que le Seigneur avait dites. That there are many things that the Lord said. D'autant plus que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur les disciples. Moreover, that the Holy Spirit had not come on the disciples Ils avaient yet. Du mal à pouvoir les comprendre parce que les fonctionnalités du Saint-Esprit permettent à l'Esprit de pouvoir nous faire comprendre certaines choses qu'on n'a pas saisies. They struggle to understand certain things because the functionalities of the Holy Spirit allow us to understand the things that we did not grasp. Alors ma question se repose à ce niveau. So my question is Pourquoi here. Jésus n'a pas baptisé? Why did Jesus not baptize? La fois passée à la fin de mon enseignement. Last time at the end of my teaching. Je tenterai de dire ceci. I was saying the following. J'avais apporté une touche révélationnelle. I brought a part of a revelation. Où je tenterai de dire. Where I said. Que Jésus n'a pas baptisé. That Jesus did not baptize. En disant que. While saying Jean-Baptiste a baptisé that John the Baptist baptized certainement au nom de Dieu. Certainly in the name of God. Pourquoi? Why? Parce qu'on était à la dispensation du Père. Because we were in the Father's dispensation. Attention. Careful. Il y a un enseignement doctrinal There's a doctrinal teaching sur les dispensations about the dispensations que j'enseignerai à l'Église. That I will teach to Comme the ça va rester sur les nets so it will remain pour on que the tout le monde puisse les suivre. So that everyone will be able to follow Mais quand it. On parle de dispensations, But when speaking about dispensations, il y en a sept. There are seven Mais il y a aussi un enseignement But there's also a teaching juste sur les
dispensations de la Sainte Trinité. About the dispensations of the Holy Trinity. Pour parler du temps où to speak about le the Père time agit, where the Father is at work, du temps où le Fils a agi, the time where the Son is at work, et le temps où le Saint-Esprit agit. And the time where the Holy Spirit was alors, at work. Quand Jésus n'était pas encore manifesté, so as Jesus was not manifested, et que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, and the Holy Spirit had not come yet, qu'est-ce either qui s'est passé? What happened? On était à la dispensation du Père. We were in the dispensation of the et Father. Jean-Baptiste, and John the Baptist, au moment où on était à la dispensation du Père, as long as we were in the Father's il ne pouvait dispensation, pas baptiser au nom du Fils. He could not baptize in the name raison of the Son. Pour laquelle, which is why, dans Actes au chapitre 19, in Acts 19, 1 à 5, 1 to 5, on nous dit au cinquième verset in verse 5, que we ces told, gens qui étaient ignorants de la présence du Saint-Esprit that those that were not aware of the presence of the Holy Spirit, et qui ont été baptisés du baptême de Jean, and they were baptized into John's baptism. Lorsqu'ils ont rencontré Paul, as they met Paul à Éphèse, in Ephesus, le verset 5 dit, verse 5 says, Paul les a baptisés Paul baptized au nom de Jésus. In the name of Jesus. C'est par ricochet que nous avions compris as a consequence, we understood qu'il faudrait baptiser au nom de Jésus. That we need to baptize in the name mais of Jesus. Je ne suis pas encore là. But I have not je voulais revenir sur mon questionnement. Let me go back to my question. Pourquoi Jésus, why did Jesus n'a pas baptisé not baptized? Pourquoi Jésus n'a pas baptisé? Why did not Jesus baptize? Pour rester doctrinal. To remain doctrinal. La fois passée, je vous avais parlé de la révélation. Last time I spoke to you. Dans la révélation. In the revelation. Je ne vais pas revenir sur ça. And I will not go back to si it. Vous avez oublié, if you forgot, allez suivre la vidéo. Go and watch the video again. Mais aujourd'hui, je voulais faire parler la Bible. I'd like the Bible to speak by nous itself. Avions lu dans Matthieu chapitre 3. We read in Matthew le verset 11. Verse la Bible 11, déclare ceci. The Bible declares, ça c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. That was John the Baptist speaking. Mais ce discours est rapporté par Matthieu. But that speech was reported by Matthew. Matthieu, le disciple de Jésus. And Matthew, the disciple c'est lui, of Jesus. Lévi. He was Levi. Ah, qui lorsqu'il s'était converti. Who, when he gave his life to God. Dans Marc au chapitre 2. In Mark 2. Il avait organisé un festin. He organized a feast. Et dans ce festin, and in that feast, il avait ses amis païens. He had his unbelieving friends. Et le Christ était présent. And Christ was cette histoire a été l'objet de plusieurs critique à l'égard de notre Seigneur. And a lot of people criticized the Lord because of that. C'est par ricochet qu'on disait qu'il était l'ami des gens de mauvaise vie. That's why they said that he was friends with those alors, that were not living. Alors, écoutez bien, le Seigneur, je a commence. Holy life, and let me continue. Et je commence maintenant. Let me start now. Regarde maintenant. Now look at Matthieu. Matthew est en train de rapporter. Who was reporting? C'est que Jean-Baptiste avait annoncé. What John the Baptist. C'est que Jean-Baptiste est en train de prêcher. What John the Baptist was lorsqu'il preaching. Lorsqu'il parlait de la repentance ainsi que de son baptême, c'est-à-dire une pensée qui est en train de pousser les gens à venir vers lui pour se faire baptiser. As he spoke about the repentance. Il dit, parce que les gens se posaient des questions les concernant. Because people asked themselves questions. Les gens voulaient savoir qui était Jean-Baptiste. They wanted to know who John the Baptist was. Il y avait une distinction was par rapport même à sa manière de s'habiller. There's a distinction about his clothing. Sa qualité de vie. His quality of life. Il est celui dont Isaïe avait prophétisé que c'est la voix qui crie dans les déserts. He was the one that was prophesied about with ces choses Isaiah sont écrites dans Matthieu au chapitre 3. That's written in Matthew 3. À partir du premier verset. From verse 1. On commence à parler de Jean-Baptiste. We start speaking about John the Baptist. En disant qui il était. Saying who he l'endroit was, où il est en train de prêcher. Where he preached. Et combien Isaïe a prophétisé sur lui. And how much Isaiah et prophesied etc. about him. And so on. Alors, arrivé au 11e verset. Now as we get to verse 11. Matthieu est en train de dire. Matthew is saying. C'est que Jean-Baptiste disait. What John the Baptist was saying. Moi je vous baptise d'eau. I baptize pour vous amener à la repentance. To lead you to repentance. Parce que les gens voulaient savoir s'il était le Christ. Because people wanted to know if he was parce que le Christ en ces temps il était une promesse. Because Christ at that time was a promise. Vous savez, Jacob a prophétisé sur tous ses enfants. Jacob prophesied on all his children. Dans Genèse au chapitre 49. In Genesis 49. Et à partir du verset 8 jusqu'au 10e verset. Verse 8 to 10. Il prophétise sur Juda. He prophesied on Judah. Sur ce qui allait se passer. On what will happen. Dans la tribu de Juda. In the tribe parlant of Judah, du sceptre royal. Speaking about the royal scepter. Alors le Christ, and Christ et partant de cette prophétie going from that prophecy, dans la prophétie de Jacob on l'a appelé Shiloh. In Jacob's prophecy et was called Shiloh, Shiloh. C'est le Christ. Shiloh c'est-à-dire Christ, loin. The anointed celui qui one, est mis à part. The one who was set alors apart. Il était une promesse. So he was a promise. Et tout le monde quand Jean-Baptiste est venu and as John the Baptist à came, cause de sa ténacité, because of his sa tenacity, perspicacité, because of his strength, son efficacité dans le message, efficiency in the message, l'équilibre, la constance, the balance and the consistency, sa qualité de vie, the quality sa manière of his de vivre, his lifestyle, sa manière de se nourrir. The way he nourished les gens himself disent peut-être que c'est le Christ.
Christ. People say maybe it's Christ. Ils ont oublié même they even forgot que Malachi aussi avait prophétisé. That Malachi prophesied Esaïe as well. Aussi avait prophétisé. Isaiah prophesied too. Les gens se posaient des questions. And people wondered, s'il était le Christ. Is he Christ? C'est là où il dit maintenant that's where he said, que je ne suis pas le Christ. That I'm not Christ. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. To lead you to repentance. Mais il y a quelqu'un but there's someone qui est plus puissant que moi. More powerful than je ne suis pas me, digne de délier les courroies de ses sandales. And I'm not worthy of carrying lui, his sandals. Il vous baptisera du Saint-Esprit and he will baptize you in the Holy Spirit et de feu. And with fire. Il n'a pas dit he did not qu'il vous baptisera d'eau. That he will baptize you with water. Raison pour laquelle which is why, quand Jésus commence son ministère, when Jesus started his il ne ministry, peut pas se permettre de pouvoir baptiser he cannot allow himself to baptize d'eau. With water. Ça, c'est la Bible qui parle. That is the Bible ce n'est pas speaking. La révélation. It's not a revelation, c'est la Bible qui s'exprime. But the Bible explains c'est juste itself. La lecture minutieuse de la parole it's de Dieu a careful reading of God's word qui m'a amené à cette conclusion. That led me to that conclusion. La prophétie. The prophecy. Il est important, it is important que chaque chrétien for each Christian puisse savoir qu'est-ce que Dieu pense de lui. To know what God is thinking about qu'est-ce him. Que Dieu a dit. What did God say? Il y a des révélations qui sont collectives. There are revelations that are il y a des choses que Dieu parle there are things that God says pour tous les chrétiens. For all Christians. Quand tu es enfant de Dieu, so selon qu'il est God, écrit, dans Éphésiens chapitre 1er, 3 à 4, 3 to 4, que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le verset 4 dit, nous avions says, été élus. We were chosen. C'est pour tout le monde. It's for everyone. Le soleil, quand ça apparaît, when the sun rises, c'est pour tout le monde. It is for everyone. Mais il y a des choses que Dieu a dit spécialement that God specifically pour said toi. About cela you. Ne ressemble pas that doesn't look à ce qu'il a dit what he said pour d'autres personnes. About other people, raison pour laquelle, which is why, lorsque nous nous conduisons, when we conduct on doit faire très attention à ne pas être des copieurs. We need to be careful to not be copied. Si mon ami a fait telle chose, is my friend did moi aussi je dois faire la même chose. I should do the same. Parce que nous sommes deux personnes différentes. We are two distinct people, ayant des destinées différentes, two different destinies, ayant même la profondeur de la connaissance de Dieu d'une manière différente, having a different depth in the knowledge about God. Et il faut faire très attention. And we need to be very careful. Jean-Baptiste, John the Baptist, quand les gens disent what people say, que Jean-Baptiste that John the Baptist n'avait pas prophétisé, did not prophesy, c'est une grosse erreur. That is a serious mistake. C'est une grosse erreur. It's a serious il dit, mistake. Moi, he said, I, je vous baptise d'eau baptize pour vous amener à la repentance. To lead you to repentance. Mais il y a quelqu'un qui viendra. But there's someone who will come. Mais c'est l'esprit de la prophétie, that is the spirit of prophecy, qui est en train d'annoncer des oracles, that is now announcing oracles par la bouche de son prophète. Through the mouth of his prophet. En d'autres termes, on ne peut pas l'appeler prophète. In other words, he cannot be called prophet. Parce qu'il n'y a pas de ministère prophétique there's no prophetic sans pour autant qui est la prophétie. Without any prophecy, selon les Écritures according to et the la prophétie and a prophecy pour annoncer des choses qui arriveront. Things that will happen in the future. Un prophète ne se limite pas sur des choses qui touchent seulement à la vie des individus. A prophet doesn't limit itself to things that touch people's mais lives, à des choses but to things qui affectent les nations, that affect nations qui touchent l'humanité. That affect the humanity. C'est par ricochet que les évangéliques and as a consequence, the evangelists parlent de prophètes des nations. Speak about the prophets of c'est que Jean-Baptiste prophétise. Now what John the Baptist c'est une prophétie was a prophecy collective, a collective qui one parle bien entendu de Christ. That speaks about mais Christ. La mission de Jésus but Jesus' mission devait toucher le monde entier. Had to touch the whole world. Jean chapitre 1er, John 1, le verset 29. Verse 29. Il voit Jésus, he sees il prophétise, Jesus and prophesied. Il typifie le Christ par he un animal. Typified Christ with an animal. Par un agneau. Through a lamb. À cette dimension, and in this dimension, il est en train de nous expliquer une dimension de Christ non connue. He's explaining an unknown dimension of Christ. L'agneau. The lamb. Alors, pour considérer le Christ comme l'agneau, so to consider him as a il faut avoir l'intelligence, we need to have the intelligence de comprendre les aptitudes de l'agneau. To understand the attitude comment of the l'agneau vit, how the lamb comment lives, l'agneau fonctionne, how the lamb functions, sa douceur, his sweetness, son obéissance. His obedience, et le Christ, and Christ, pour mourir à la croix, to die the cross, il s'est présenté avec la face de l'agneau. He presented himself as a lamb. Pendant que quand Jean parle de lui, while as John spoke et je parle about de Jean him, l'apôtre, I'm speaking about the apostle, le fils de Zébédée, the son of Zébédée, il parle de lui, speaks of Christ comme étant le lion de la tribu de Juda dans le livre d'Apocalypse. In the book of Revelation. Quand Jean parle de l'agneau, and as John spoke about the c'est lamb, une révélation. That was a revelation. C'est une révélation. It's a revelation.
C'est une révélation. It is a revelation. Il dit, voici. He said, behold. Regardez ici. Behold. L'agneau de Dieu. The Lamb of God. Qui ôte les péchés. Who removes the sins. C'est une prophétie. It's a prophecy. En combinaison avec une parole de connaissance. Combined with a word of knowledge. Parce que. Because. Il est l'agneau. He's the Lamb. Non pas au moment où Jean l'a vu. Not from the moment il est l'agneau. Saw him, but depuis l'éternité passée. The Lamb since the past eternity. Apocalypse 13. Revelation le verset 8. Verse 8. L'agneau qui ôte les péchés parce qu'il devait aller à la croix. Was to go to the et comme la croix and as the cross devait intervenir trois ans après, was to come 3 years ça devient later, la prophétie. It becomes a prophecy. Il y a une partie part de la parole des connaissances of the word of qui affirme that affirms qui était le Christ, Christ was, une autre dimension de Christ. Dimension mais une autre partie Christ, qui part parle des choses à venir. Of the that will c'est come. La prophétie that is a prophecy de Jean-Baptiste. Of John the revenons à Matthieu 3. Let's go back to Matthew 3, le verset 11. Verse 11. Moi, je vous baptise d'eau pour un but, de préparer vos cœurs to prepare your à changer de mentalité to change your mindset par ma prédication. Through my et je marque comme un signe le baptême you will have the baptism parce que je veux que vous soyez transformés. For you to be la métanoïa, la repentance, les changements de mentalité the change of mindset pour croire to believe à celui qui vient. In the one who je ne suis pas lui. To come. I am il not vous baptisera him. He will baptize you du Saint-Esprit with the Holy Spirit et de feu. And with fire. Donc, il n'a pas dit qu'il vous baptisera d'eau. So he did not say that he will baptize you with water. Mais pourquoi le baptême du Fils but why the baptism of the Son doit être le baptême d'eau. Why should it be the water baptism? Le problème, c'est quoi the c'est juste parce que vous devez comprendre une chose. Nous sommes baptisés pour marquer notre engagement, notre témoignage que nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce n'est pas la purification des souillures intérieures. Selon 1 Pierre 3, verset 21. Verse 21. Qu'est-ce qu'on dit? What is it ce n'est pas la purification des souillures. Est-ce qu'on peut nous mettre les textes? Can we read? Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ici, l'idée, here the idea, c'est cette eau that water, n'est pas la purification des souillures. The removal of the filth. L'idée ici, the idea here, on parle des souillures de l'âme. We're talking about the filth of the soul. On ne parle pas de la propreté extérieure parce que tu t'es lavé. We're not talking about your sanity because you washed. Ici, but here, on est en train de parler we're talking des souillures de l'âme. The filth of the parce soul. Que quand l'âme s'est souillée à cause du péché, because when the soul became filth because of the sin, on a fonctionné selon Adam. We functioned according mais quand to nous Adam, avions été sauvés, but as we were parce saved, qu'on a cru en Jésus-Christ, because we believed in Jesus automatiquement Christ, nous avions été purifiés. Automatically we were vous êtes d'accord purified. Avec moi? Do you agree? Colossiens, Colossians, chapitre 1, 1, le verset 13, verse 13, il nous a délivrés et il nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable royaume des lumières. To his admirable kingdom of light. Vous êtes d'accord avec moi? Do you agree with me? Alors, so, qu'est-ce que je suis en train de dire? What am I saying? Je suis en train de dire que I am saying this. Le baptême the baptism of water et le baptême du Fils and the baptism parce of the Son que it is a baptism of pour the Son, qu'on puisse because témoigner de cet engagement for us to witness of que nous avions pris conscience that we are de suivre Jésus about following il fallait Jesus, être sauvé. We had to be or, saved, nous sommes sauvés but we are saved en croyant en Jésus. As we believe in Jesus. Romains 10, Romans 10 9, 9 à 10. To 10. C'est en confessant de sa bouche, confessing c'est en croyant du cœur qu'il a été ressuscité d'entre les morts, on est sauvé. Donc l'impact, so the impact du baptême of the baptism se repose relies sur le salut on salvation qu'on a reçu en Christ. Received in et Christ, automatiquement, le baptême d'eau the water baptism et le baptême du Fils. Is the baptism c'est une manière of the de dire son, which is nous sommes baptisés d'eau we are baptized à cause du Fils qui a payé son, un prix paid a price au bois du Calvaire. On the Calvary, à la croix de Golgotha. On the cross of Golgotha. Voilà. That is it. Mettez-moi Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossians 1, 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous savez, ici, you know, on est en train de parler de Jésus. We're talking about Jesus. On dit en lui in him, ont été créées were created toutes choses, all things, sauf rien. Except nothing. Même ça.
even this. Mais quelqu'un peut poser la question. But someone may ask mais comment est-ce que en Jésus-Christ, ça a été créé? This was created. La Bible dit, the Bible says, Job chapitre 32, Job 32, le verset 8, verse 8, la Bible dit, the Bible says, en réalité dans l'homme, truly in man, c'est l'Esprit, the spirit, souffle du Dieu vivant, qui lui donne l'intelligence. Breath of the living God, or l'Esprit devait venir sur l'homme upon au nom de Jésus. In the name of Jesus. Alors, so, l'Esprit donne l'intelligence de la créativité. Donc l'intelligence que l'homme a, c'est à cause de Christ. Qui, lorsque le Père a envoyé l'Esprit, l'Esprit est venu en son nom. Donc tout nous vient à cause de Jésus. Même le baptême. Hébreux chapitre 1. 2 à 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Je laisse la première partie. Je prends la seconde partie. Il dit, il l'a établi héritier de toutes choses. C'est-à-dire le patron de toutes choses. Le garant de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. C'est-à-dire tout ce que nous voyons dans ce monde. Les choses qui ont été créées. Cela que nous voyons. Things that we et des choses que nous verrons, and things that we will tout vient see, de Christ. Everything comes from Christ. Même le baptême. Even the baptism. Même la compréhension que Jean-Baptiste avait. Even the understanding that John the Baptist pour comprendre had, to understand que le Christ, that Christ viendra pour sauver, will come to ça vient de Jésus-Christ. That comes from c'est Jesus pour cela Christ, that is lorsque Marie when Mary a quitté l'ange left the angel, dans Luc chapitre 1, Luke 1 26 à 38, 26 to 38, l'ange lui a parlé the angels concernant la naissance de Jésus. About the birth of Marie quitte and Mary left l'ange. The angel elle part voir Elisabeth. Goes to see Elizabeth. Lorsque Marie rencontre Elisabeth, and as Mary met her, il y a eu la rencontre entre Jean-Baptiste John the Baptist, qui était dans le ventre was in the womb, de sa maman of his il mother. Avait 6 mois he was six et Jésus and Jesus, qui était déjà sur Marie who was already upon qui était Mary, en Marie that was already in pendant Mary quelques jours for a qu'est-ce few qui s'est passé now what happened? Jean-Baptiste a tressailli John the Baptist pourquoi shook? Jean-Baptiste a tressailli why did he shake? Parce que Jean-Baptiste John the Baptist venait de recevoir la révélation de son ministère the revelation of his alors ministry. Tout ce que Jean-Baptiste so all that allait John dire the Baptist après would say dépendait later de sa rencontre depended on his avec le Christ, with Christ. Jean-Baptiste John the Baptist c'est la deuxième personne qui a rencontré Jésus. La première personne, c'était Marie. Was Mary. Quand l'enfant est venu when the child dans came son ventre, to her womb. Parce qu'elle avait dit because she said, qu'il me soit fait let it be done selon ta parole. According to your parce word, que je suis servante because I'm a servant de Dieu. Of God. La deuxième personne, second person c'était Jean-Baptiste was John the Baptist, qui était dans le ventre. Who was in the womb. Et la matière and now, lui a été téléchargée. The matter was now downloaded in him. Alléluia. Hallelujah. Nous sommes d'accord que le baptême d'eau, we agree that the water baptism c'est le baptême des fils. Mais Jésus, elle n'était pas venue malheureusement pour baptiser. Did not come to baptize. Mais c'est simple. Quand Jésus prêchait, as Jesus preached, il n'y avait pas d'église. There was no church. Mais c'est lui. But he was the one, le fondateur de l'église. The founder of the church. C'est lui. He is the one, la tête de l'église. He is the head of the church. Lisons Ephésiens chapitre 1. Let's read Ephesians 1. Verset 22. Verse 22. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout. Alléluia. Alléluia. Par ces passages, through the scripture, on nous dit Dieu a tout mis sous ses it pieds is said that everything was put under et his il a donné pour chef and it gave to be head, il lui a établi pour chef so he established him as the head de l'église. Of the church. Il est le chef de l'église. He is the head of the church. Matthieu chapitre 16. Matthew 16. Verset 18. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. My church. Jésus affirme lui-même Jesus affirmed que l'église himself, m'appartient. That a church mais quand il parle, me, but as he spoke, quand il prêche, as he preached, l'église n'est pas là. The church was not there. C'est pas parce qu'en son temps, it is not because il n'y avait pas l'église that there was qui n'est pas le chef de l'église. That he was not the head of the church. Alléluia. Hallelujah. Non, est-ce que je peux aller un peu dans la folie? Can I go on c'est pour ça que vous remarquez que Jean-Baptiste, hein, on devait lui couper la tête. Was to be beheaded. Pourquoi on devait lui couper la tête? Why should he be beheaded? Parce que Jean-Baptiste, John the Baptist, il avait la primauté. Had the il pouvait être la tête de l'église. He could be the head of il the était church. Le prophète phare. He was a key prophet. On devait lui couper la tête. He had to be beheaded.
Sinon, otherwise, l'église allait avoir deux têtes. The church would have two heads. Parce que quand le Christ est venu, il était la tête. He was the mais Jean-Baptiste, head. But John il the était la tête was the head pour les Juifs. For the Jews. Jésus était la tête and Jesus was pour the l'église. To the church. Alors comme les Juifs so devaient se convertir aussi to give their pour croire to en him, Jésus, to believe in automatiquement, Jesus, il allait avoir deux têtes. They would have been two heads. L'esprit d'erreur pousse Jean-Baptiste the spirit of error led John the Baptist à dire des choses au roi to say things to the king, pour qu'on lui coupe la tête for him to be beheaded, afin qu'il n'y ait qu'une seule église. For there to be only one church. Et Jésus maintenant, and Jesus now, à son temps, in his comme days, l'église n'existait pas, as the church did Jésus exist, avait la tête Jesus had the head, sans le corps. Without a body. C'est pour cela qu'il monte à la croix. That's why he went to the cross, lui-même avec une grossesse with a pregnancy, pour enfanter to now give birth une église to a church, et lui, and he, il pose sa tête. Lays his head. C'est pour cela à la croix, that's why the cross, lorsqu'il est mort, as he il died, a pris sa tête, he took his head, il l'a penché sur le corps. To the side. C'est de cette manière that is how, qu'il est la tête de l'église. That is the head of the church. Et lui, il a besoin de nous pour and l'évangélisation. He needs us for the evangelization, afin de continuer son œuvre inachevée. To continue his unfinished work. Il s'appuie sur l'église. He relies on the l'église church. S'appuie sur lui. And the church relies on him. Lui qui est la tête. He who is the head. Je vous l'ai dit. I wanted to say, il est tout. He is all. En tout, in all, pour tout. For all. C'est pour cela que j'aime chanter. I love to sing. Qu'il est pour nous un bon berger. He's a good shepherd to us. En toi, nous pouvons toujours espérer. In you, we can hope. La lumière que nos cœurs contemplent. The light that our hearts contemplate. Ah, le bon berger qui marche devant son peuple. The good shepherd that walks ahead of his people. Oh, tu es là. And when you are here, tu maîtrises le flot de la mer. You master the waters. Que la barque ne peut chavirer. And the boat cannot sink. Tendre, véritable ami. Tender and good friend. Tu constitues pour nous le seul appui. You are only support. Quand la terreur nous envahit, and when terror comes upon us, tu combats à notre place, you fight on our behalf, nos ennemis, you fight against our enemies, roi de Salem, king of Salem, que le bonheur de t'appartenir, what a joy to belong to you, le seul garant de notre avenir. The only guarant of our future. Chalabrois tababa. Le bon berger. The good shepherd. Lorsque David, now when David est en train de dire dans Psaume 23, same Psalm 23 que l'Éternel est mon berger, the Lord is my la shepherd, problématique c'est quoi? The issue is what? David entre dans la nouvelle alliance, the new covenant, il prend Dieu, to God, il le voit comme un berger. Saw him as a shepherd. Alors en regardant le berger, so he looked at the shepherd, il dit, he says, c'est Jésus. It is Jesus. Dans les choses de Dieu, in God's things, quand tu n'es pas mystérieux, when you are not mysterious, dans la vie, in life, quand tu n'es pas une personne de distinction, when you are not a person of distinction, quand tu ne peux pas toucher à des choses que personne ne peut toucher, when you cannot touch things that people cannot quand tu ne peux pas être un mécanicien qui répare les véhicules sans qu'une autre personne fasse comme toi, when you are not someone that can fix cars without quand tu n'es pas un chauffagiste de distinction, that cannot do the same as you do, quand tu n'es pas un comptable de distinction, when you are not an accountant of distinction, quand tu n'es pas une cuisinière, when you are not a cook, qui a certains assaisonnements, that certain seasonings, n'importe qui ne connaît pas. Not just anyone tu ne know. Peux pas changer ton you salaire. Cannot change your way. Nous sommes baptisés. We are nous baptized. Avons témoigné le Christ. We witness il doit Christ. Être notre berger. He needs to be our parce shepherd. Que nous avions compris comment because il doit nous conduire. Understood how he needs to ce ne sont pas us. Des simples gestes. These are not simple ce ne sont pas gestures. Des simples faits. These are not simple facts. Sinon, ça ne sert à rien otherwise d'être baptisé to be baptized ou d'être enfant de Dieu. To be a child parce qu'il y a un impact. An impact. Lorsque je témoigne witness, par le baptême, through the baptism, j'entre dans l'eau, I go into c'est the sa waters, mort, that is his je death, sors de l'eau, and I go out of the c'est water, sa résurrection, that is his resurrection, et parce que je suis ressuscité, I à cause du baptême, because of the baptism, selon Romains chapitre 6, according to Romans 6, le verset 3, verse 3 et le verset 4, verse 4, c'est en sa mort, la Bible dit, it is death, the Bible que nous avions says, été baptisés, that we were baptized, et comme nous avions été baptisés, and as we were baptized, en sa mort, it is death, nous sommes aussi ressuscité we also resurrected avec lui with him. Et par le baptême
engagement, as a commitment, comme une prestation de serment, as a prestation, tu dois comprendre ceci, you need to understand que ta vie ne doit plus rester your life cannot en remain tant que telle. As it is. C'est la réalisation, that is the realization de la matière première of the first qui t'amène à comprendre that leads you to que tu es l'image de Dieu, you are God's tu es la ressemblance you de Dieu, of et qu'en toi, il y a la matière divine. Galates chapitre 2, le verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si lui vit en moi, lorsque je bouge, il bouge. Lorsque tu fais à manger, il le fait avec toi. Lorsque tu es avec ton mari, il est avec toi. Lorsque tu travailles, il est avec toi. Lorsque tu étudies, il est avec toi. Parce que son esprit te donne l'intelligence. Parce que non seulement tu es sauvé, tu es baptisé, et tu as été racheté du pied de l'ennemi. Je voulais te dire que tu dis amen. Mais je me retiens. Parce que je ne voulais pas abîmer l'enseignement. Mais la quintessence de la puissance de Dieu me pousse à te dire que tu n'es pas n'importe qui. Ton engagement en Christ par le baptême doit t'amener à être restauré dans ta tête. La métanoïa, le changement de mentalité. Nous avons vu. And we saw. Pourquoi Jésus? Why Jesus? N'a pas baptisé. Did not baptize. Pourquoi nous baptisons au nom de Jésus? Now why do we baptize in the name of Jesus? Donc on est bien d'accord que Jésus n'a pas baptisé. We did agree that Jesus did not baptize. Parce que selon les termes de ses prophéties, because according to the terms of his prophecies, selon son précurseur, according to his qui était Jean-Baptiste, who was John the Baptist, il ne devait pas baptiser. He was not supposed Maintenant, to do Jean so. Chapitre 4, now John 4, verset 1 à 2 dit, 1 to 2 says, Jésus baptisait. Jesus baptized. Il y avait une grande foule qui venait. There's a great crowd coming. Mais au verset 2, on affirme que ce n'est pas lui qui baptisait. But he was not the one baptizing. C'était ses disciples. But his disciples were. Les textes the text ont tout dit. Said on everything. Est dans Jean chapitre 4, we are in John 4, 1 à 2. 1 to 2. Pourquoi nous baptisons? Why do we baptize au nom de Jésus? In the name of Jesus? Et quelle est la preuve qui what montre que nous devons baptiser au nom de Jésus? The evidence that we need to baptize in the name of Jesus. C'est acte 19, Acts 19, verset 5. Verse 5. Amen. Amen. N'oubliez pas. Do not forget. Le baptême. The baptism mentionne sa mort, his death et sa résurrection. And his resurrection. Le passage biblique. The biblical scripture. C'est Romains 6. It's Romans 6. 3. 3 à 4. To 4. Je l'ai donné tout à l'heure. I gave it earlier. Mais pourquoi? But why? Nous baptisons do we baptize au nom de Jésus. In the name Acte of chapitre Jesus, 19, Acts 19, le verset 5. Verse 5. Les gens qui étaient baptisés, those who were baptized, du baptême des gens, of John's baptism, on les a récupérés. They were taken par back. Paul, by Paul, ils étaient à Éphèse, they were in Ephesus, pour les baptiser to baptize au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je disais Acte 19, I said Acts 19, le verset 5. Verse 5. La Bible est claire. The Bible is clear. Mais ici, je voulais quand même pousser un peu. But I'd like to go a bit further. Éphésiens chapitre 2, Ephesians 2, le verset 20. Verse 20. Est-ce qu'on peut lire? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. Alléluia. Alléluia. Ici, la Bible nous enseigne. Here the Bible teaches c'est us. Paul. It is Paul. Il dit, vous avez été édifiés. Have been built. Vous aviez été nourris. You were fed. Consolidé. You were consolidated. Affermi. Affirmed. Bâti. Built. Par des enseignements. Through teachings. La structure. The structure. Apostolique. The apostolic. Et prophétique. And the prophetic. C'est-à-dire, one, which is, vous aviez été fondé. You were grounded. Par des fondements. Through foundations. Des apôtres. Of apostles. Et des prophètes. And of prophets. Et Jésus lui-même. And Jesus himself. La pierre de l'angle. The cornerstone. Et j'explique. Let me explain. Des choses qui ont construit votre foi. That built your faith. C'est ce que les prophètes ont enseigné. That is what prophets taught. Et les apôtres. And what the apostles et taught. Ces choses and these things étant véridiques were being true, par l'aide de l'Esprit, through the help of the Spirit, elles se sont vérifiées they were now verified en Jésus-Christ. In Christ Jesus. Raison pour laquelle. Which is why
Quand tu lis la vie d'un prophète, when you read a prophet's life, la vie d'un apôtre, the life of an apostle, ou la vie de quiconque, the life of any other dont le person, nom est marqué dans la Bible, whose name was mentioned in the Bible, il faut que ce qu'il a fait, whatever he il did, faut que ses actes his actions soient vérifiés en Jésus. Need to be verified Jésus, in c'est Jesus. Le jauge. Jesus is what c'est l'héritier de tout. Helps us to judge. C'est le socle, he's the head, les sous-bassements. The foundation. C'est-à-dire lorsque quelque chose so when something ne cadre pas, it's not found la vie de Jésus, in Jesus' on life. Le met à côté. We put it aside. Lorsque ça cadre la vie de Jésus, when it is found in Jesus' ça life, fonde notre foi. That is our building of et faith. Comme ces gens-là étaient des personnes de la même nature que nous, were, had the same nature as Jacques we have, 5, 17, la partie James A. 5, 17, part Élie était de la même nature que nous. Elijah had our nature. Parce qu'ils étaient de la même nature que and nous, they had our nature, si ils ont vécu certaines expériences avec Dieu, if they did some experiences with nous God, pouvons aussi le vivre we can experiment de la même manière too, que Christ, just as Christ a vécu lived, ou vit or lives, dans la gloire de Dieu in the glory of parce God, qu'il est lui-même le Dieu vivant. Because he is the living God. Parce que nous sommes édifiés. And because we are edified, nous sommes soumis à des réglementations we are submitted to rules, apostoliques apostolic et prophétiques rules, et que les apôtres and the apostles ont baptisé au nom de Jésus, baptized in the name of Jesus. Nous devons baptiser au nom de we Jésus. Need to baptize in the name mais of quelqu'un Jesus va me dire, but someone may ask est-ce me, que les prophètes prophets ont baptisé au nom de Jésus. Baptized in the name of Jesus. Ils ont été baptisés. They were baptized en Noé. In Noah. 1 Pierre 3, 1 Peter 3, 20 à 21. 20 to 21. Ils ont été baptisés. They were baptized en Moïse. In Moses. 1 Corinthiens, 1 Corinthians, chapitre 10. 10. Ils ont été baptisés. They were baptized par Jean. Through John, du baptême des gens, of John's baptism, pour qu'ils se répandent, for them to repent, en fait de croire à qui, to believe in who, changer de mentalité, to change their mindset, pour redevenir comme qui, to become as who, comme Jésus, as Jesus. Les baptêmes de Noé, Noah's baptism, de Moïse, Moses baptism, et des Jean, and John's baptism, sont des préfigurations, they were prefigurations, du baptême au nom de Jésus-Christ, of the baptism in the name qui est le baptême Jesus Christ, des fils. Was the baptism Noé of the était son. Prophète, Noah was a prophet. Et Moïse était prophète, Moses was a prophet. Jean-Baptiste était prophète. John the Baptist nous avions prophet. Été édifiés and we were edified par leur manière de faire. Their way of doing. Et les apôtres and the apostles ont baptisé au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tout est pour Jésus. All is for tout Jesus. Est en Jésus. All is in Jesus. Tout se fait par Jésus. All is done through Jésus Jesus. Est tout. Jesus, it's il all est pour nous in all. Un guide parfait. He's for us a perfect guide. C'est pour cela, comprenez. Which is why I understand. Si quelqu'un prêche, if someone is preaching something different Jésus, than what Jesus, il he needs to stop preaching. Quand tu parles de la délivrance, when you're speaking about il faut le Christ. You need Christ. Quand tu parles when you're de la prospérité, about prosperity, il faut le Christ. You need Christ. Quand tu parles when you speak de n'importe quel sujet, about any kind of il topic, faut que Christ, Christ soit la source. Needs to be the source. Si ce n'est pas le cas, if it's not the case, le message est faux. The message is wrong. Romains chapitre 1, Romans 1, versets 2 à 3. 2 to 3. Tableau. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit? What is it said? L'évangile, the gospel, qui a été promis. That was promised. Écoute. Listen. Qui parle? Who speaks? C'est Paul. It was Paul. Donc si l'évangile so if the gospel a été promis, was promised, c'est qu'avant Jésus, that before Jesus, il n'y avait pas l'évangile. There was no gospel. Et que l'évangile and that the gospel est venu came après Jésus. After Jesus. Donc, so, pourquoi maintenant? Why is it that parce que now? L'évangile, because the gospel, c'est la bonne nouvelle. Is the good news. C'est quoi la bonne nouvelle? Now, what is the good news? Jésus est mort pour nous. Jesus died for us. Il a manifesté l'amour manifested de Dieu. God's love. On est bien d'accord. Do we agree? Donc, so, si je vous dis maintenant if I tell you que now le tabernacle, that the tabernacle était l'évangile selon Moïse, was the gospel according to Moses, c'est une préfiguration, that is a prefiguration de l'évangile, of the gospel, une image, an image de l'évangile, of the gospel. Parce que l'évangile, because the gospel, dans les temps anciens, in the old days, c'était une promesse, was a promise, mais pour nous, but for us, c'est un accomplissement, it is an accomplishment, c'est ce que nous devons prêcher, that is what we need to preach about. Et le baptême des fils, and the baptism of c'est the le baptême d'eau, is the baptism et le baptême of water, d'eau, and the baptism of doit water se faire needs to be done au nom de Jésus, in the name of Jesus, pas au nom du Père, not in the name of the Father, neither in the name of the Son and of the Holy Spirit, Jésus, but in the name of pour Jesus, respecter to respect l'étymologie, the etymology du mot baptême, of the word baptism, qui vient du grec, that comes from the Greek, of baptizo, qui veut dire which means être plongé to be dans l'eau in the water, ou être submergé, to be submerged, il faut
que lorsqu'on baptise, que la personne soit complètement introduite dans l'eau et on les sort. Selon Romains 6, 3 à 4, quand on les plonge, ça témoigne la mort de Jésus. Quand on les sort, la résurrection de Jésus. Il faudrait maintenant étudier la mort de Jésus a fait quoi et sa résurrection a fait quoi. Romains chapitre 6, hein. Romans 6, 3 à 4. 3 to 4. Donc, vous savez, you know, je me pose toujours. I always wonder. Je vous avais dit ici. I told you here. Lorsqu'on parle de la croix, when we are talking about the cross, sur les plans dogmatiques, on a dogmatic aspect, la croix, the cross, mentionne, mentions, toute la série des événements, or the series of events, concernant, about, sa souffrance, his pain, sa mort. His death, his resurrection. Or, sa souffrance, but his pain, commence, started, à Gethsemane. At Gethsemane. Matthieu chapitre 26. Matthew 26. C'est là où il explique aux disciples, and that's where he explains que to the disciples, that the time is near, je vais souffrir, where I will entre suffer, les mains des sacrificateurs, in the hands of the priests, entre les mains des méchants, in the hands of those that are tout evil. Commence là. Everything starts from there. At Gethsemane. Il a senti la douleur he felt the pain qu'il devait sentir, that he was to feel, à la croix, at the cross. Raison pour laquelle, which is why, quand il priait, as he prayed, il se fortifiait, he strengthened himself to go through that stage. Le sang, the blood, la sueur a été changée en sang. Sweat was changed to blood. Gethsemane, and Gethsemane vient de deux mots, comes from two words, qui veut dire, which means le lieu du pressoir, the place of pressure, pressoir à huile, the oil pressing, pressoir à huile, and the oil parce que pressing, pour avoir l'huile, because to have oil, il faut prendre les noix, we need to take the nuts, il faut l'écraser, and we need to bruise it. Isaïe chapitre 53, verset 10, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance pain, pour avoir l'huile. To have the il faut oil, que les noyaux soient pressés the nut needs to be pour broken, avoir du jus d'orange, to have orange le juice, jus de raisin, le jus d'ananas. Grapefruit juice, il faut we need que le fruit soit pressé, the fruit needs to que be ça pressed, perde sa connotation, and it loses its connotation, que ça quitte l'état solide, it leaves the solid à l'état state liquide, to become liquid. On appelle ça la liquefaction. It is called to make something liquid. C'est ce que le Christ a subi. That is what Christ went through. Il souffre. He went through et quand pain, il meurt à la croix, and as he died at the cross, il a été enterré. He was buried. Mais celui qui saignait de partout, but the one that was bleeding from quand everywhere, il a été enterré, as he was buried, la première des choses que ça the mentionne, first thing that this mentions, il y a un changement. There's a change. Parce que quand il était ressuscité, because as he resurrected, on voulait le toucher. They wanted il a refusé. So he refused. Mais en ressuscitant, but as he resurrected, son corps his body avait changé. Changed. Plus de blessures. No wounds il anymore. A laissé seulement les cicatrices. He only left the wounds, pour des gens the comme scars, Thomas. For people as Thomas. Ils affirment for them to affirm que c'était lui. That it was son assévissement, now his burial, c'est l'action qui se fait was the action that was done pour la disparition to make, de tout ce qui touche la chair. To make a c'est pour ça quand quelqu'un est mort en Christ, anything related to the flesh, tu n'auras pas de colère inutile. Which is why when someone tu n'auras is pas born, de pensées négatives. Born in Christ, you will not have negative même là où thoughts, quelque chose est compliqué, even when something is tu vas comprendre you will understand ce que Dieu veut t'enseigner. What God wants to teach you. Parce que le baptême because the baptism parle de l'ensevelissement. Speaks about the burial. Tu sais, quand tu es mort, you know, when you physiquement, died physically, tu n'entends plus. When you're deaf physically, qui me pleure, you would not hear. Comment m'en vais-tu? How was I clothed? Qui était là dans le deuil? Who's crying qui n'était pas là? Who came quand to quelqu'un the est mort en Christ, because when someone is dead sa vie in Christ, change. His life changes. Aujourd'hui, nous venons dans les églises today we come parce to qu'on nous a dit que Jésus délivre. Because we are told that Jesus delivers. On nous a montré but we were la dimension de Christ the dimension of comme Christ, sauveur. As savior. Il n'est pas seulement sauveur, not only a savior, mais il est aussi Seigneur. But it's also a Lord. Seigneur, and Lord, c'est celui qui règne. Is the one who reigns, domine, contrôle nos vies. Et dans son lives, gouvernement, and in his government, c'est la théocratie. It's theocracy, c'est l'atmosphère it is the où Dieu règne where God pour nous conduire. To lead. Galates chapitre 5, verset 16. Galatians 5, 16. Ainsi donc, so, marchez selon l'esprit. Walk in the spirit. Marchez selon l'esprit. Walk in the spirit. Dieu est esprit. God is a spirit. Jean 4, John 4, verset 24. Verse 24. Lorsque tu es mort en Christ, when you are dead in Christ, c'est ça. That is, quand quelqu'un when on le baptise, baptized, quand on le plonge dans l'eau, when that person il est en train de dire aux gens, people, en sortant, je ne serai plus la personne que vous connaissez. Ma manière de parler va changer. Ma manière de comprendre des choses va changer. Même quand quelqu'un me fera mal, même quand quelque chose va me faire mal, je suis humain.
I am a human je dois being. Réfléchir après. I need to think later pourquoi on. Dieu a permis ça? Why did God allow this? Parce qu'il est le maître de ma vie of my life en tout, in all, pour tout, for all, dans toutes choses. In all things. Et la résurrection there's resurrection de Christ, of Christ, c'est la préparation the resurrection of Christ pour aller s'asseoir à la droite de Dieu. It's the preparation to be seated quand tu es ressuscité at the right avec Christ, of God, parce que tu as été mort, and when you are resurrected with Christ, c'est que tu n'es died, pas loin it means that you're not de far ta bénédiction. From your blessing. L'ascension. The ascension. Tu n'auras pas besoin d'avion you will not need any plane pour l'ascension, for the ascension, pour ta montée. To rise. C'est pour ça que la Bible dit, that's why the Bible dans Isaïe 52, in Isaiah 52, le verset 13, verse 13, mon serviteur my servant, que tu es that you are, prospérera. Will il se lèvera, il montera, il sera sold, au placé. And it will be highly mais placed. Quand but when, j'aime Job. I love Job. Il dit, mes yeux le verront. He said, my eyes will see mais him. Lorsque ma peau sera complètement but détruite, when my flesh will be completely destroyed, c'est là où je le verrai. That's when I will see les gens aiment Job 42. People love John, Job 42. Verset 5, verse 5. Où la Bible dit, where the Bible mon says, Rédempteur est vivant. My Redeemer is alive. Il s'élèvera. He will arise. Mais il s'élèvera quand? But when will he arrive? Job chapitre 19. Go to Job 19 first. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Verset 26 maintenant. 26. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Vous avez compris? Did you understand? Pour que le Rédempteur se lève, for the Redeemer to arise, il faut la mort d'abord. Death is required. Pour que ta peau soit détruite. Your skin needs to be destroyed. C'est pour cela, ne jugez pas les choses selon la chair. That's why I do not judge things according chaque to the flesh. Chaque chose qui s'est fait. Anything that is done. Je vais vous raconter une histoire. Let me tell you a story. Je rencontre and I met un homme de Dieu a man of que God, je tais les noms. That I will not ces hommes de Dieu mention the name of. Faisaient des choses and these men of God were que doing Floyd things faisait avec des divergés. That Floyd and Duverger were doing. À cette époque, il n'y avait pas Internet. And at that time, there was no Internet. Ils le prêchaient. They were preaching. Sous l'onction. Under the anointing. Ils touchaient les gens. Touching people. Les gens tombaient. People were falling. Mais ils ne savaient pas que. But they did not know. Ces gens-là. That these qui sont people libérés, that were delivered. Ces esprits-là vont les chercher. The spirits will now seek after on them. On se croise à Brazzaville. And we met in Brazzaville. Moi, chante. And I was a singer. Lui. And he ministre de Dieu, was a minister sans of God être consacré, without being consecrated and his spiritual father pas là où il est. Is not aware of where he is. On sait même pas s'il en a. We don't even know if he has a spiritual father. Nous allons appeler l'homme de Dieu and we'll call the man of God avec la cravate, with his tie il monte du haut de la chair, and he went on the altar. Il dit, le frère, il est où? And he said, where's the brother? Le frère qui chante bien, the brother who sings well. Il m'appelle. And he called me. Moi, je chante. And I sang. Moi, je chante. I sang. Il fait son service. And he was doing his service. 2016 ou 18. 2016 or 18. Je me retrouve à Kinshasa. I found myself in Kinshasa. Avec le berger Eric. With Shepherd Eric. Je fais les services. And I did the service. C'est là où des miracles, les pieds des gens étaient en train de tourner. That's where people's feet were turning round. Là où un enfant de 7 ans qui n'a jamais marché a marché. That's where a 7-year-old child who never walked started walking. Des miracles authentiques. Authentic miracles. Chez le prophète Ben Rema. At Prophet Ben Rema. Je vois cet homme. And I saw that man. À mes pieds. At my feet. J'ai prophétisé sur lui. And I prophesied on him. And I gave some words of knowledge. Pied. He caught my feet. Presque en train de nager. He was almost swimming. Les Congolais disent. Congolais say. Allez vite. Go fast. C'est pas arrivé. It doesn't mean that you arrived. Allez vite. To go fast. C'est pas arrivé. Does not mean that you're right. Je connais une dame. And I know a lady. Prophétesse. Prophétesse. Je sais pas qui l'avait consacrée. I do not know who put her in ministry. On s'est croisés dans une convention. We met at a convention. Moi, j'ai chanté. I sang. Elle prophétesse. She was elle a prophétesse. Sur moi. Prophesied on elle me. A prophétesse sur les gens. Prophesied on people. On lui a donné le micro. And she was given the mic. Après la prédication. After the sermon. De l'homme de Dieu qui était invité. Of the man of God who was invited. On va donner le micro à la prophétesse untel. And they said, let's give the mic to prophetess so and so. Elle monte. She went on the altar. Sans prédication. Without any preaching. Il y avait plus de 200 personnes. There were over 200 people. Elle prophétise sur une centaine de personnes. Prophesied on 100 people. Bah, des choses vraies. Things that were true. Et il me dit, frère, lève-toi. Then she told me, brother, rise. Dis des choses. She said things. Des choses vraies. Things that were true. Gloire à Dieu. Glory be to God. Elle est venue même chez nous. She even came to our home. Elle a prophétisé sur tout le monde. Prophesied on elle everyone. Elle a prophétisé sur ma mère. Prophesied on my mom. Mais je l'ai regardé. But I looked at her. La parole, il n'y a pas. There was no word. Ces gens-là aujourd'hui. These people today. Daddy. Daddy exaucé. They call me daddy exaucé. Allez vite. To go fast. Ça sert à rien. Quand tu es mort en Christ, it's useless. Même si tu sais faire quelque chose, when you are dead in Christ, even if you're able bien, to do something well, la personne qui est en train de faire, better than the one that does it. Attends ton temps. Wait for your time. Le Christ. Christ. Le Christ. Christ. Au moment où sa mort, from the moment where his death, doit mentionner notre mort, has to mention our death. Lui, il était mort. He died ressuscité and resurrected depuis l'éternité passée. Since the past Apocalypse eternity, 13, Revelation 13, verset 8, verse 8, l'agneau immolé, the lamb slain, depuis la fondation du since monde. Since the foundation of the world. Lorsqu'on a commencé le ministère, when we started in ministry,
J'avais un ami riche. I had a friend called Rich. Richard. Richard. Au début de ma foi. And in the early days of my faith. Comme je connaissais beaucoup de gens, je devais prêcher dans des deuils, quelqu'un est mort et tout. Je dois apporter quand même la parole. So as I knew a lot of people, I was asked to preach. Aujourd'hui, les deuils sont devenus des endroits où on critique les pasteurs, la politique, et voilà. During mornings, but nowadays people criticize pastors and talk about politics and so on. Et moi, dans les deuils, j'allais apporter la parole de Dieu. But I would go to mornings et j'avais pas la connaissance. But I didn't have the knowledge. La première fois, j'ai dit riche. The first time I said rich. Dis-moi un peu ici, je dois prêcher Tell dans me, un deuil. If I have to preach at the morning. Je dois prendre quel texte? What scripture should I take? Il m'a dit, donne-les, rachetez les temps car les jours sont mauvais. And he said, give them, redeem the times because the days J'ai are evil. J'ai récupéré ça. And I took that scripture. Rachetez les temps. And I said, redeem car the time. Les jours sont mauvais. Because the days je are evil. Je ne sais même pas qu'est-ce que je disais. I don't even know what I was les saying. Les gens étaient debout dans le deuil. People were standing during je the morning. Je savais que j'avais pas la connaissance. But I knew that I lacked Mais the Dieu knowledge. Regarde ta disposition. But God looks at your disposition. Mais ses amis l'ont prêché. These friends were preaching. Mais quand j'ai commencé à prêcher. But when I started preaching. Ah, Dieu est bon. God is good. Un jour, il y avait une croisade. One day there was a crusade, and outside. On a invité tous les grands hommes de Dieu. We invited all the great men of God. De la ville. Of the city. Il y avait un célèbre musicien de ce temps-là. There was a famous musician at that time. Mathieu Samuel. Matthew qui devait Samuel, chanter. That was to sing. Et mon père, My father, spirituel, the spiritual father, était invité. Was invited as il well. Avait sa chaise and he had his dans own un endroit bien. Chair in a nice place. Et le pire, c'est pas ça. The worst is not Quand even l'invitation that. Est venue, When the invitation came, on a envoyé deux. Two were sent. Aussi pour moi. One was sent for me. Et il y avait plusieurs amis. There were many friends. On était dans le ministère. We were in ministry. Ils devaient venir assister. They were supposed to come. Et être debout. And to stand. Et moi, j'avais ma place. But I had my place. Oh, j'y suis venu après. I came later. Je suis venu après. I came later. Tranquillement. Peacefully. J'ai ma place. And Et I had my seat. And my pasteur said. Moi, j'irai pas. I will not go. Mon pasteur, c'est quelqu'un, il aime être en retrait. Because my pastor does not Donc, really like to be chaises. Exposed. But I had two chairs. Je suis arrivé. And I got there. Ça fait du bien. And it feels good. J'étais assis. I sat. Et on m'a donné la place de mon pasteur. C'est bien d'avoir un père spirituel. Given my father's seat, and it's good to have a spiritual father. J'étais assis là. And I sat down. Et l'autre place. And the other seat. J'avais un ami. I had a friend. Baya Delux. Baya Delux. Lux. And I asked him to come. On était là dans une place bien. And we were seated comfortably. J'ai été patient. I was patient. La patience. Patience. La patience. Patience.